Et maintenant, on va laisser la place à la parole de Dieu. Hein. Notre frère David est avec nous, David de Bordeaux. Hein. On laisse toute la place à notre ancien, on est honoré qu'il soit avec nous, avec les autres frères aussi qui sont sur le groupe, les prédicateurs qui sont là, les anciens. Voilà David, on te laisse toute la place. Hein. Tu as tout le temps. Que Dieu te bénisse. D'accord, merci. Voilà. Bonjour à tous. Voilà, j'ai la grâce de partager avec vous la parole. Et c'est avec une grande joie que je vais le faire à partir de la Bible. Parce que notre référence, c'est la parole de Dieu sur laquelle est basée notre foi chrétienne. Voilà, notre foi chrétienne n'est pas basée sur des idées des hommes, mais sur la parole inspirée de l'Écriture sainte. Voilà, je voudrais sans tarder faire une lecture avec vous, puisque on va essayer de parler ce soir par rapport à notre confession de foi, ce que nous confessons d'après la parole de Dieu et ce que nous confessons a pour base l'Écriture sainte. Nos anciens qui nous ont laissé justement toutes ces références par rapport à la parole de Dieu, parce que nos anciens ont été aussi la continuité du message des apôtres et des prophètes, où l'apôtre Saint Paul déclare que lui-même étant la pierre angulaire. Il y a donc un fondement sur lequel l'Église est bâtie, et ce fondement s'appelle Jésus-Christ et les apôtres. Et ce soir, je voudrais vous parler d'une note. Alors, je vais essayer d'être bref, d'être pas compliqué, mais je voudrais vous affermir dans la foi, affermir nos cœurs dans la foi chrétienne. Parce qu'il ne faut pas croire n'importe qui et n'importe quoi. Beaucoup de gens, aujourd'hui, eh bien, par le biais d'Internet, écoutent toutes sortes de choses, toutes sortes d'enseignements bibliques, alors que ces enseignements-là ne sont pas et n'ont pas pour base l'Écriture sainte. On ne peut pas fonder un enseignement biblique, une doctrine, avec un texte isolé de la Bible. Il faut un ensemble de textes pour que notre enseignement tienne la route. Parce qu'autrement, nous allons fausser le plan de Dieu. Et le plan de Dieu, le centre en est Jésus-Christ. Il est le centre du plan de Dieu. Et je voudrais vous rappeler, avant de lire le texte, en Apocalypse, chapitre 1, verset 4, où il est question des sept églises de l'Apocalypse de l'Asie mineure, et il est dit ceci. Au verset 4 du chapitre 1, « Jean aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant le trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né et le prince des rois de la terre. Amen. » Nous disons Amen à la parole de Dieu. Je pense que vous écoutez tous. Je vais essayer de parler doucement. Et je voudrais, à partir de ce verset 4, je vais le commenter en vous disant ceci, en priorité, que ces sept églises de l'Apocalypse sont représentatives du corps du Christ. Le corps universel dont la mission Zigane Vie Lumière en fait partie. Et je voudrais vous dire ceci que Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 18, il déclare « Je bâtirai mon Église ». Et cette Église n'appartient pas aux hommes, elle appartient à Dieu. C'est un organisme vital qui est conduit par le Saint-Esprit. Et à partir de ce verset, concernant les sept églises de l'Apocalypse, il y a en introduction de l'Apocalypse le mot révélation. Et le mot révélation est justement donné à ce livre de l'Apocalypse qui est le couronnement de l'Écriture sainte et mérite sa place dans le canon sacré des Écritures. Alors pour certains, peut-être le mot canon ne signifie pas grand-chose, mais nous le trouvons dans l'Écriture où l'apôtre Saint Paul déclare en Romains 6, 17, « Vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine. » Et le mot canon vient justement de ce mot « la règle ». La règle de doctrine à laquelle nous avons prêté attention et que nous avons reçue dans nos cœurs. Il y a donc une règle et la base de notre foi
la confession de notre foi est la règle de l'Écriture. Le mot canon signifie la règle dont on se sert pour mesurer, et ce mot-là a été appliqué à tout l'enseignement de la Bible, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament. À partir de 165-175 avant Jésus-Christ, eh bien, les Hébreux ont établi le canon des Écritures sur laquelle est fondée notre foi. Et le premier siècle, les pères de l'Église qui ont gardé la véritable foi, qui ont été une continuité des pères apostoliques, ont établi le canon des Écritures. Et je voudrais vous rappeler que le canon des Écritures, c'est celui qui a été inspiré par le Saint-Esprit. Car la Bible déclare, eh bien, que la parole n'est pas seulement une parole écrite, mais une parole qui est inspirée, et c'est ce qui la différencie de tous les autres écrits humains. Et c'est pour cela que la parole, elle est inspirée, et parce qu'elle est inspirée, qu'elle peut être rendue vivante lorsque nous la pratiquons et lorsque nous la confessons et que nous la vivons personnellement. Voilà, je voudrais, avant de commenter le texte du verset 4 du chapitre 1, je voudrais vous dire, et je veux le rappeler, que l'Apocalypse est le couronnement de l'Écriture sainte et mérite sa place dans le canon sacré des Écritures. Et je voudrais dire ceci par rapport à l'Apocalypse. L'Apocalypse n'est pas un livre qui nous a été donné pour cacher, eh bien, l'avenir de mystère, mais pour nous révéler les choses qui sont écrites. Il est question, eh bien, de la prophétie. Il dit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, ce livre, et qui gardent les choses qui sont écrites. » Et un chrétien doit garder, eh bien, au fond de son cœur, cette vérité biblique, la prophétie de ce qui est écrit. Et le mot prophétie ou les Écritures qui nous ont été données, qui est lié aussi non seulement au don spirituel, mais par rapport au ministère de prophète, c'est annoncer l'avenir. Et l'Apocalypse est ce livre-là qui nous révèle les choses qui doivent arriver bientôt. Les choses qui doivent arriver bientôt sont dans une portée par rapport à l'accomplissement eschatologique, c'est-à-dire les choses qui concernent la fin des temps. Je voudrais que l'Église du Seigneur, les chrétiens qui écoutent ce soir, eh bien, soient imprégnés de cette prophétie, prophétie biblique, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Alors, je voudrais vous parler un petit peu d'histoire par rapport à ceux qui sont troublés dans leur foi, par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Au travers de cette pandémie qui se succède, donc aujourd'hui, et par rapport à ces choses que nous vivons, nous n'avons pas été habitués à vivre ces choses-là, mais je voudrais tranquilliser votre cœur par le moyen de l'Écriture. Et tous les serviteurs de Dieu peuvent le faire parce que notre référence, c'est la parole de Dieu, puisque l'Église, comme dit l'apôtre Saint Paul, a été justement bâtie non pas sur des hommes, sur des idées des hommes, mais sur Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire sur laquelle donc repose l'Église, le fondement, il est le fondement ultime. Et ce que l'apôtre Saint Paul déclare en Éphésiens 2:20, que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire, que son nom soit béni. Donc il ne faut pas croire n'importe qui, n'importe quoi, tout ce qui se dit sur Internet, eh bien, je voudrais vous le rappeler, ce n'est pas toujours la vérité, parce qu'il y a des hommes qui déduisent des textes de la Bible et ils apportent leur propre touche sans inspiration, et ils déstabilisent ceux qui ont la foi dans l'Écriture sainte. Mais ce soir, je voudrais vous tranquilliser en vous disant ceci, que notre référence demeure la parole de Dieu sur laquelle repose notre foi, puisque le psaume 119, verset 162 déclare « Ta parole, ô Dieu, est le fondement de la vérité ». Il n'y a pas de vérité en dehors de l'Écriture. Et c'est pour cela
qu'il faut que nous revenions à la simplicité de l'Évangile et non pas dévier de l'Écriture, parce que si nous dévions de l'Écriture en apportant un autre enseignement ou une autre doctrine, nous nous perdons, dit l'apôtre saint Paul. Il faut que nous restions dans cette attitude de référence biblique pour que nous affermissions notre foi et non pas écouter tout ce qui se dit sur Internet. Il y a beaucoup trop de choses qui se disent. Alors je vais entrer dans la prédication en vous disant ceci. Mes frères et sœurs, serviteurs de Dieu, je parle à vous comme à moi. Je voudrais vous rappeler que l'Apocalypse, je vous l'ai dit tout à l'heure, ne nous a pas été donné pour couvrir l'avenir de mystères, mais pour nous révéler les choses qui doivent arriver bientôt. Il est question d'une prophétie dans le temps. Il est question d'un accomplissement de tout ce qui va se passer en Apocalypse. Et je voudrais vous dire ceci, que il y a eu des enseignements avec les pères de l'Église tels que saint Augustin, qui spiritualisait toute l'Apocalypse, notamment le chapitre 20 et verset 1er d'Apocalypse. Vous pouvez noter la référence. Et à partir de saint Augustin, il a spiritualisé toute l'écriture du Nouveau Testament. Et saint Augustin était un homme qui vivait au 4e siècle. Donc il fait partie des pères de l'Église et il a gardé plein d'enseignements du catholicisme, bien que c'était l'Église naissante au 4e siècle, l'Église catholique romaine. Et je voudrais vous dire ceci. Par rapport à l'enseignement de saint Augustin, eh bien, il était amillénariste. Que veut dire ce mot amillénariste? Eh bien, il est le fondateur de l'amillénarisme, et son enseignement reposait que Israël ne pouvait pas retourner la faveur de Dieu dans la repentance. Et son enseignement était que Dieu avait rejeté Israël parce qu'il l'avait livré à l'Empire de Rome. Et pourquoi je vous dis cela? Excusez-moi de faire un petit peu d'histoire, mais je voudrais vous dire que l'amillénarisme dans l'histoire, il faut le rappeler, l'attitude des premiers chrétiens, des premiers prédicateurs ou les premiers commentateurs, avec saint Augustin, ils spiritualisaient l'Écriture sainte, notamment l'Apocalypse, c'est le verset 20, chapitre 20, verset 1 à 6. Durant les premiers siècles du christianisme, la plupart des pères de l'Église, je vous cite quelques noms des pères de l'Église, Papias, Justin Martyr, Irénée et Tertullien, se disaient chiliastes, c'est-à-dire ils étaient partisans de la théorie du millénium. Et le millénium n'est pas quelque chose de symbolique, mais saint Augustin, il a entraîné tous les théologiens dans cette direction-là et spiritualisé toute l'Apocalypse en disant qu'il n'y avait pas de millénium. Donc il n'y a pas de rétablissement du royaume d'Israël, pas de conversion du peuple d'Israël, et il n'y a pas de millénium et ni de temple. Voilà l'enseignement de saint Augustin qui était faussé. Et aujourd'hui, cet enseignement-là, c'est l'enseignement du catholicisme, l'enseignement de l'Église catholique romaine. C'est le même principe, et il y a aussi les témoins de Jéhovah. Donc notre référence à nous n'est pas les pères de l'Église, mais notre référence reste la Bible, parce que nous croyons en l'Apocalypse, que l'Apocalypse n'est pas seulement que des symboles, mais une prophétie annonçant littéralement, tout ce qui va arriver bientôt, déclare la parole de Dieu. Je voudrais essayer de passer concernant saint Augustin quant à son livre qui est appelé La Cité de Dieu, et bien sûr des sujets, plusieurs sujets controversés. Il a introduit beaucoup d'erreurs monumentales telles que l'adoration du culte des reliques ou l'adoration des idoles. Et toute la descendance justement des pères de l'Église qui se sont conformés à saint Augustin ont gardé justement cette interprétation de l'amillénarisme, c'est-à-dire le remplacement de l'Église qui se continue, justement, que l'Église a remplacé Israël. On appelle ça l'enseignement du remplacement, ou
la substitution. L'Église se substitue à Israël dans une continuité. Mais ça, c'est faux parce que il y a une différence entre Israël et une différence entre l'Église. Ce ne sont pas, eh bien, les mêmes enseignements. Israël a été rejeté, dit l'apôtre Saint Paul. Pourquoi? En Romains 11, l'apôtre Saint Paul déclare que Israël a été justement mis de côté. Elle a été endurcie, elle n'a pas reçu le royaume que le Seigneur Jésus est venu apporter, et Jésus leur a dit, le royaume vous sera enlevé et donné à une autre nation qui en rendra les fruits. Et je voudrais juste citer ceci en disant que Israël, eh bien, n'a pas entré dans le royaume de la grâce en tant que nation, en tant qu'individu. Oui, la première église, qui était des judéo-chrétiens, eh bien, ont accepté Jésus-Christ et l'ont reconnu comme étant le Fils de Dieu, mais en généralité, Israël, en tant que nation, n'a pas reconnu le Messie. Ils l'ont rejeté et ils ont dit eux-mêmes, nous n'avons de roi que César, qu'il soit crucifié. Et l'apôtre Saint Paul déclare que si leur mise à l'écart a été le salut des païens, quelle sera sa réintégration, sinon le passage de la mort à la vie, lorsqu'ils se convertiront tous? Et là, nous sommes devant la conversion générale du peuple d'Israël en tant que nation, lorsque le Seigneur reviendra en gloire. Et Paul le confirme dans Romains chapitre 11, à partir du verset 20. Si vous lisez tout le chapitre 11, vous en verrez la déduction et vous verrez la compréhension de ce que Paul affirme. Donc, il contredit l'apôtre Paul, saint Augustin et tous les théologiens qui l'ont suivi. Parce que Paul déclare, quand le libérateur viendra de Sion, alors il détournera de Jacob ses impiétés. La Bible déclare, eh bien, que Israël, au retour en gloire, qui n'a rien à voir avec l'enlèvement de l'Église, nous allons en dire un mot tout à l'heure, je voudrais préciser ceci, qu'au retour en gloire, Israël se convertit à son Messie, parce qu'aujourd'hui, l'Église, elle est entrée dans le repos de Dieu. Et Jésus le confirme en disant, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et Israël aujourd'hui cherche le repos, on cherche le grand sabbat des sabbats. Et on le sait que par rapport à l'Écriture, Israël rentrera dans le plan de Dieu quand le millénium sera établi, parce que la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, dit l'Écriture, comme les eaux qui coulent au fond des mers. Et la Bible déclare que Israël, en tant que nation, aura pour prince le roi de la terre, comme c'est marqué en Apocalypse chapitre 1. Il est appelé le prince des rois de la terre. Et Israël entrera dans le sabbat des grands sabbats, où pendant le temps des 1000 ans, eh bien, Israël sera avec la conduite de son Messie évangélisera les nations. Et à cette époque-là, eh bien, dans le temps du millénium, Israël convertira les nations avec son Messie et les nations se convertiront au messianisme. Aujourd'hui, les individus, les hommes, que ce soit tous les hommes de la terre, se convertissent au christianisme par le moyen de l'évangile. Et quand Paul déclare que si Israël a été rejeté, quelle sera sa réintégration, sinon le passage de la mort à la vie, lorsqu'ils se convertiront tous. Et la raison du rejet d'Israël de son Messie, eh bien, Paul en précise justement la raison. Lorsque le dernier des païens sera entré, alors s'accomplira le mystère de Dieu. Et ce mystère se découvrira au retour en gloire, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra sur les nuées des cieux, avec, selon Apocalypse 14 et Matthieu 24, ou soit Apocalypse chapitre 19, verset 11, où il est dit que l'Éternel, mon Dieu, paraîtra et tous ses saints avec lui. Il y aura là le retour en gloire et où il y aura le dévoilement du mystère du Messie par rapport à Israël lorsqu'ils le reconnaîtront, parce qu'ils vont lui poser cette question. D'où viennent ces blessures que tu as aux mains? Eh bien, ce sont ceux de ma maison, ceux qui m'aimaient, qui me les ont fait. Et donc, l'Église sera aussi dévoilée, puisque la Bible déclare que l'Église, eh bien, comme Jésus en Apocalypse chapitre 19, verset 11, viendra sur un cheval blanc, et le cheval est le symbole de la guerre, et la Bible déclare que tous ses saints seront et viendront avec lui monter sur les chevaux blancs. Voilà, je voudrais continuez, donnez-moi la,
Donnez-moi quelques minutes pour essayer de continuer la parole de Dieu en vous disant ceci. La Bible, l'Apocalypse notamment, ne se spiritualise pas, elle est un accomplissement littéral, prophétique. Je voudrais que vous rappeliez que la Bible a trois applications. Elle a une application spirituelle, elle a une application historique et elle a une application prophétique. Donc il ne faut pas tout mélanger, il faut mettre toutes les choses à leur place. On peut spiritualiser un texte de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament, mais bien souvent, eh bien, lorsque on spiritualise un texte de la Bible, c'est pour faire en sortir, ressortir des vérités concernant l'Église, mais parfois, littéralement, ça concerne que Israël. Alors, je voudrais que vous fassiez la différence entre spiritualiser un texte et la différence avec le texte littéral prophétique. Donc je pense que vous suivez ce que je suis en train de dire. Donc je voudrais préciser ceci. Les amillénaristes se sont toujours opposés au rétablissement d'Israël et à la conversion du peuple de Dieu en tant que peuple de Dieu. On appelle cela, je vous le redis, eh bien c'est l'enseignement de la substitution ou le remplacement de l'Église. C'est-à-dire que l'Église remplace Israël dans une continuité. Alors ça... Il y a une grande interrogation, il faudrait passer plusieurs temps pour expliquer ceci, mais je pense que vous avez compris que notre message, ce n'est pas le message de Saint-Augustin, ce n'est pas le message de l'amillénarisme, comme l'enseignement du catholicisme aujourd'hui, qui prétend qu'il n'y a pas de conversion d'Israël, qu'il n'y a pas de rétablissement du Temple, et qu'il n'y a pas de millénium. Tout cela est pour eux spirituel. Et que le texte d'Apocalypse 20, verset 1er, saint Augustin le spiritualisait et il disait que ce texte-là concernait la venue de Jésus et spiritualisait tout le chapitre 20 d'Apocalypse, verset 1er. Alors je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, que l'Apocalypse, eh bien, n'est pas un livre d'où tout est caché sous des symboles, mais c'est une révélation qui concerne le retour de Jésus-Christ. Alors il faut faire la différence entre le retour en gloire et l'enlèvement de l'Église. Et je voudrais, donc on m'a dit que j'avais le temps, donc je vais essayer de prendre le temps et de vous expliquer ce qu'est l'Apocalypse. Parce que certains ne s'aventurent pas dans le livre de l'Apocalypse, croyant que c'est trop difficile de comprendre l'Apocalypse, ou qu'il y a beaucoup de symboles, mais je voudrais vous rappeler que l'Apocalypse nous a été donnée. Et la Bible déclare, eh bien, que cette révélation est une révélation qui nous est donnée à nous, à l'Église du Seigneur Jésus. L'Apocalypse n'est pas un livre scellé de mystères, mais la Bible déclare qu'il nous a été donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et les choses qui doivent arriver bientôt sont à la porte. Et je voudrais vous dire ceci, que le mot apocalypse, eh bien, ne veut pas dire toujours quelque chose de caché, mais révélation. Voilà le sens du livre de l'Apocalypse. Le mot apocalypse veut dire révélation, ou enlèvement du voile, ou dévoilement. Alors, je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez, que l'Apocalypse n'est pas un livre caché, mais il nous a été donné et écrit pour que nous en connaissions justement le mystère. Et ce mystère-là n'est pas un mystère caché, c'est un mystère pour ceux qui périssent, mais pas pour nous, pas pour les chrétiens, pas pour les serviteurs de Dieu, pas pour les vrais chrétiens, pas pour les vrais serviteurs de Dieu. L'Apocalypse, eh bien, nous pouvons la lire à la lumière du Saint-Esprit. Oui, parce que l'Apocalypse est le livre inspiré. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est justement le couronnement des Saintes Écritures. Et l'Apocalypse, que ce soit l'Apocalypse ou les autres livres, eh bien, je voudrais vous dire qu'elle est inspirée pour nous en donner la révélation, que Dieu soit béni. Le mot Apocalypse, je le répète, ne signifie pas toujours fin du monde, mais révélation. Alors, je voudrais citer juste un texte. En 1 Corinthiens 14, 26.
pour vous dire que le mot Apocalypse ne signifie pas toujours fin du monde, mais révélation. Alors en 1 Corinthiens, Paul déclare au chapitre 14, verset 26, il déclare « Si quelqu'un a une révélation, c'est dans les traductions de nos Bibles, si quelqu'un a une révélation par rapport au don donné par le Saint-Esprit à l'Église, eh bien, si on le lit dans le texte original, il est dit comme ceci, si quelqu'un a une apocalypse, donc concernant les dons, concernant l'Église, ça remet les choses dans leur contexte. Que l'apocalypse ne signifie pas toujours fin du monde, mais révélation. Alors je voudrais vous dire ceci par rapport au mot apocalypse. Il vient du verbe apocalypsis, du verbe kalyptos, qui veut dire cacher, envelopper et couvrir. Donc si en premier temps, l'apocalypse, qui a sa racine dans le verbe, le mot kalyptos, qui veut dire cacher, envelopper, couvrir, il y a le mot apo, qui nous révèle la provenance des choses cachées. Et donc tout cela est à notre disposition parce que la Bible et l'Apocalypse n'est pas une affaire d'intelligence pour la comprendre, puisque l'apôtre Jean déclare « heureux celui qui lit ». Il ne dit pas « heureux celui qui comprend », mais « celui qui lit ». Autrement, il y aurait que les intelligents qui comprendraient la Bible et notamment le livre de l'Apocalypse. Non, il ne dit pas au verset 3 du chapitre 1 « heureux celui qui lit » et ceux qui entendent les paroles de la prophétie de ce livre et qui gardent les choses qui sont écrites. Eh bien, je voudrais vous dire que nous ne comprenons pas toujours ce que nous lisons, mais le Saint-Esprit qui a inspiré la Bible, eh bien, devient l'agent révélateur de la pensée de Dieu. Et c'est quand un homme s'humilie devant Dieu, devant sa parole, eh bien, que le Saint-Esprit devient l'agent révélateur de la pensée de Dieu. Alors, mes frères et sœurs, je voudrais vous dire que le mot apocalypse ne signifie pas toujours fin du monde. Parce qu'il y en a qui attendent l'apocalypse. Lorsqu'on lit l'apocalypse, c'est une destruction massive, comme un tsunami qui passe et qui ravage tout sur son passage. Mais je voudrais vous rassurer en vous disant ceci, que les fléaux de l'apocalypse ne concernent pas l'Église, parce qu'elle en sera délivrée grâce à son enlèvement. Que Dieu soit béni, et je vais vous donner quelques références bibliques. Je le rappelle, parce que c'est important de le rappeler, l'Apocalypse ne nous a pas été donné pour couvrir l'avenir de mystères, mais pour nous révéler les choses qui doivent arriver bientôt. Et ces choses qui doivent arriver bientôt sont révélées au chapitre 1, verset 1er. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée, pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Donc l'Église que nous sommes, la foi que nous confessons, eh bien, nous rappelle que nous sommes affermis dans notre foi par rapport à ce qui va se passer dans le temps en Apocalypse, par rapport à toute cette destruction massive dans laquelle l'Église n'est pas mentionnée. Parce que je voudrais vous rappeler au chapitre 2 et verset 7 de l'Apocalypse, il est dit ceci, que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Et à cette reprise, l'apôtre Jean rappelle ceci en Apocalypse, à partir du chapitre 2, verset 7, que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Eh bien, il s'agit d'être attentif et de savoir écouter, puisque le livre des Proverbes déclare que le sage écoute et il augmentera son savoir. Car l'écriture n'est pas une affaire d'intelligence, je le rappelle, mais de cœur. Il faut que j'humilie mon cœur devant la parole de Dieu. Et quand j'humilie mon cœur, alors le Seigneur me révèle les trésors de sa révélation. Parce que le Saint-Esprit est celui qui conduit les serviteurs de Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui conduit l'Église pour la mener jusqu'à son but final. Parce que le but final de l'Église, c'est de se trouver auprès du Seigneur. Comme le déclare l'apôtre saint Paul, que Dieu soit arrivé, soit béni. Je voudrais, par rapport à l'arrivée du Seigneur, par rapport à sa venue, par rapport à l'enlèvement de l'Église, venir maintenant entrer dans le vif du sujet concernant ce que dit la Bible. L'Apocalypse nous déclare, je le rappelle, au chapitre 2, verset 7, que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux Églises. Et il est donc question d'un message aux églises, aux sept églises de l'Apocalypse, qui sont représentatives du corps du Christ.
il n'y a qu'un corps du Christ. Il n'y a pas les troupeaux. Il y a le troupeau du Seigneur. Il n'y a pas différents bergers. Il y a le berger, le grand berger, souverain berger, qui apparaîtra du ciel, dit l'auteur aux Hébreux. Et je voudrais vous dire que l'Église, il y a les églises locales qui professent dans une localité, dans une église, mais il y a le corps universel du Christ. Et les sept églises d'Apocalypse, eh bien, nous représentent ce corps du Christ universel parce qu'il en faisait partie. Et le message de l'apôtre Jean aux sept églises, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et à sept reprises, ce mot est mentionné concernant le temps de l'Église en Apocalypse. Si vous lisez le chapitre 13 d'Apocalypse, et verset 9, il est dit ceci, que celui qui a des oreilles entende, l'Église n'est plus mentionnée, pour quelle raison? Au chapitre 13, verset 9, l'Église n'est plus mentionnée, il y a une raison, et la raison indéniable, c'est que au chapitre 4 de l'Apocalypse, eh bien l'Église a connu son enlèvement, que Dieu soit béni. Parce que l'Église, au chapitre 4, a connu son enlèvement. Et c'est pour cela que, à cette reprise, Jean rappelle ceci, que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux Églises. Alors, je voudrais vous dire ceci en Apocalypse, chapitre 4, verset 1er. On peut le lire. Et voici ce que l'apôtre Jean déclare au chapitre 4 et verset 1er. Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Et aussitôt, verset 2, « Je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. » Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Je garde verset 4 pour tout à l'heure, mais au chapitre 4 et verset 1er, il est dit « Après cela, je regardais, une porte était ouverte dans le ciel. » Que veut nous dire l'apôtre Jean au travers de cette porte? La Bible déclare que Jean va être ravi par une petite porte. Et l'Église, eh bien, est rentrée par la petite porte. Et cette petite porte s'appelle comment? Elle s'appelle Jésus. Quand il a dit « Je suis la porte, et si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » L'Église, je vous ai dit tout à l'heure, est entrée dans le repos de Dieu, parce que seule l'Église a connu le véritable sabbat, parce qu'il se trouve en Jésus-Christ, que Dieu soit béni. Et je voudrais vous dire, à partir de ce chapitre 4, ce n'est pas la première mention d'une porte en Apocalypse. Il ne s'agit pas de la porte à laquelle Christ vient frapper, que je viens de rappeler, pour qu'on lui ouvre et le laisser entrer. Je voudrais vous dire, entre le chapitre 3 et chapitre 4, il y a là une nouvelle vision qui s'impose. Celle de l'Église qui est intronisée dans le ciel, car elle a fini sa mission sur la terre pour se trouver avec Christ, d'où elle reviendra avec lui. Et nous sommes là devant l'enlèvement de l'Église avec l'apôtre Jean, qui entre par la petite porte qui s'ouvre dans le ciel. Nous sommes là devant, et ça c'est indéniable, puisque tous les exégèses ou les théologiens qui se rapprochent de la Bible, tous les exégèses bibliques, et je voudrais vous dire en passant, une petite parenthèse, lorsque on fait une exégèse de la parole, le mot exégèse vient d'une racine grecque qui signifie mettre en lumière ce qui est caché. Et l'Apocalypse ne nous cache pas ce qui va se passer, mais elle nous a été donnée pour nous révéler les choses qui doivent arriver bientôt. Et lorsque l'apôtre Jean, lorsque la voix ordonne à Jean de monter au chapitre 4, eh bien nous sommes là devant l'enlèvement de l'Église. Que Dieu soit béni. Nous sommes là devant l'enlèvement de l'Église parce qu'elle passe par une petite porte. Une petite porte s'ouvre dans le ciel. Dans l'Ancien Testament, il est dit que le voleur passe par la fenêtre. Mais là, eh bien, quand Jésus vient,
Il nous fera entrer par la porte et pas par la fenêtre. Parce que je voudrais vous préciser ceci. Lorsque Jésus déclare qu'il viendra comme un voleur, on le trouve dans l'Apocalypse, et même dans les évangiles, eh bien, le Seigneur ne vient pas comme un voleur pour l'Église. Parce que l'Église lui appartient. Le voleur passe par la fenêtre. Celui qui passe par ailleurs est un voleur et un brigand. Normalement, pour entrer dans la maison, il faut entrer par la porte. Et je voudrais vous dire que l'Église est entrée par la porte. Elle est passée par Jésus-Christ, la porte par excellence, qui nous amène vers Dieu. Et cette deuxième porte en Apocalypse, eh bien, c'est l'enlèvement de l'Église qui s'ouvre dans le ciel pour être intronisée dans le ciel, que Dieu soit béni pour qu'elle échappe à la grande tribulation. Alors, laissez-moi continuer, peut-être 10 minutes, un quart d'heure, je n'ai pas fini, mais je voudrais venir à une conclusion pour vous faire comprendre ce que je voudrais vous faire comprendre, non seulement moi, mais ce que la parole de Dieu veut nous faire comprendre, que Dieu soit béni. L'apôtre Jean est donc ravi par la petite porte, et il va écouter cette voix, monte ici, et bientôt l'Église connaîtra aussi cette voix-là, monte ici. Il est question de l'enlèvement de l'Église, et je te ferai voir ce qui va arriver ensuite. Eh bien, vous pouvez lire le texte d'Apocalypse, chapitre 1, verset 19, où le Seigneur déclare, justement, « Écris donc ce que tu as vu. » Donc, qu'est-ce que l'apôtre Saint-Jean avait vu? Il avait vu le Christ glorifié, que vous voyez dans tout le chapitre 1 d'Apocalypse, et ensuite, il déclare, « Écris ce qui est, et ce qui va arriver ensuite. » Donc, « Écris ce que tu as vu, c'est le passé. » Il a vu le Christ glorifié, ce qui est le présent de l'Église et ce qui va arriver ensuite. Et dans l'expression grecque, ici, nous avons un mot, c'est le mot « metatota ». Ce n'est plus le même temps de la grâce, mais c'est un autre temps. Et ce temps écrit ce que tu as vu et ce qui va arriver ensuite. Et ce qui va arriver ensuite, dans l'expression grecque, le mot « metatota », qui n'est plus le même temps. Ce n'est plus le temps de la grâce, mais un autre temps qui concerne les temps eschatologiques. Il faut que l'Église soit dans la garantie, il faut qu'elle soit enlevée, justement, pour que les autres choses, justement, dont parle l'Apocalypse, concernant le premier sceau qui va s'abattre sur la terre. Et je vais en dire quelques mots concernant la parole de Dieu. Excusez-moi, mais je voudrais dire ceci avant de continuer. Lorsque Jean fut ravi, le Seigneur lui dit exactement ces mots-là. « Je te ferai voir les choses qui doivent arriver dans la suite des temps. » Et qu'est-ce que veut dire ceci dans la suite des temps? Lorsque l'Église elle est intronisée dans le ciel, lorsqu'elle est dans la garantie, eh bien, Jean va avoir le déroulement de ce qui va se prolonger en Apocalypse concernant, eh bien, les sceaux, les fléaux et les trompettes. Nous n'avons pas le temps de parler de tout cela, mais je voudrais vous donner un petit détail concernant, justement, cette glorieuse espérance de l'Église. Les événements qui vont bouleverser le monde ne sauraient avoir lieu pas avant que l'Église ne soit enlevée. Alors arrivera ce qui doit arriver. L'apparition de l'Antichrist. Je voudrais vous dire, pour affermir votre foi, que l'Apocalypse, au chapitre 1 jusqu'au chapitre 4, elle est chronologique, c'est-à-dire ce sont des événements qui concernent le temps de l'Église. Mais quand l'Église, au chapitre 4, est enlevée, eh bien, ce n'est plus le temps de l'Église. Je l'ai rappelé tout à l'heure par le chapitre 2 et verset 7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, et le mot « église » est spécifié, il est noté en disant que lorsque l'Église sera enlevée par l'enlèvement de Jean par la petite porte, il n'est plus question de l'Église, il est question de ceux qui ont des oreilles entendre. C'est tout, l'Église n'est plus mentionnée au chapitre 13, verset 9 de l'Apocalypse. Donc je voudrais vous rappeler que les événements qui vont bouleverser le monde ne saurait avoir lieu avant que l'Église ne soit enlevée. Alors, je vous ai dit
qu'arrivera ce qui doit arriver, l'apparition de l'Antichrist, où l'apôtre saint Paul déclare en 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 6. C'est pas la peine de le lire, nous allons perdre du temps, mais la Bible déclare, au travers de l'apôtre saint Paul, eh bien, il faut que celui qui le retient ait disparu, alors paraîtra l'impie. Et qu'est-ce qui retient l'apparition de l'impie? Il y a dans le monde des institutions qui empêchent le mal de s'agrandir, telles que, eh bien, l'État, la police. Mais il n'y a pas que ça qui empêche, il y a l'Église aussi. Mais je voudrais vous dire que lorsque l'apôtre saint Paul déclare « Il faut que celui qui le retient ait disparu », il est question ici du Saint-Esprit. Il ne disparaîtra pas, le Saint-Esprit. Il sera mis à l'écart, selon l'expression grecque. Et c'est lui qui barre le chemin de l'apparition de l'Antichrist. Il y a l'Église aussi, parce que l'Église restreint le mal sur la terre. Mais je voudrais vous dire que le Saint-Esprit conduit l'Église. Et quand l'Église connaîtra son enlèvement, eh bien, où le Saint-Esprit se mettra à l'écart parce que le Saint-Esprit barre le chemin à l'apparition de l'Antichrist, alors paraîtra l'impie, mais pas avant. Et je voudrais vous dire ceci en disant et en rappelant que il faut que celui qui le retient, dans l'expression originale, c'est un masculin. Donc il n'est pas question de l'Église. En priorité, c'est le Saint-Esprit qui vit dans l'Église. C'est sûr que c'est l'Église qui retient aussi l'Antichrist, mais en priorité, c'est la personnalité du Saint-Esprit, parce qu'il est question d'un masculin. Il est dit, il faut que celui qui le retient ait disparu. Mais ce n'est pas le mot disparaître, car le Saint-Esprit ne disparaîtra pas. Il est omniprésent et il aura une autre fonction, il aura une autre tâche dans la période de la grande tribulation, puisqu'il y aura les deux témoins qui prophétiseront pendant 42 mois, et personne ne peut prophétiser en dehors de la personnalité du Saint-Esprit. Donc il aura une action, le Saint-Esprit, mais différente, eh bien, dans la période de la grâce où l'Église est en train, justement, non pas de se préparer, mais être prêt, et le Saint-Esprit la conduit justement jusqu'à ce but final pour qu'elle soit prête pour son enlèvement, que Dieu soit béni. Je voudrais dire ceci en donnant une référence de l'Ancien Testament, que dans l'Ancien Testament, c'était le Saint-Esprit qui empêchait le mal ou le jugement de Dieu. Vous trouverez ça dans Genèse chapitre 6, verset 3. Eh bien, la Bible déclare, lorsque Dieu va parler, il va dire, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Et quand Dieu prononça ces mots, eh bien, la Bible déclare que le déluge vint et le jugement de Dieu était imminent. Ou, vous le savez, il y a eu donc le déluge par les eaux où les hommes périrent. Donc ça, c'est une référence dans l'Ancien Testament et qui nous prouve, eh bien, que le Saint-Esprit, eh bien, est en priorité avec l'Église, bien sûr, qui empêche l'apparition de l'Antichrist. Je voudrais juste rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure au chapitre 4, verset 1er, où il est dit que Jean fut ravi par la petite porte dans le ciel. Eh bien, le premier saut n'est pas déclenché en Apocalypse chapitre 6, que l'Église elle est déjà ravie, que Dieu soit béni pour ses notes, que l'Église est déjà ravie au ciel. Elle est représentée par les 24 anciens. Au chapitre 4, verset 4, verset 6, il est dit, je vis 24 trônes et sur ces trônes, 24 vieillards. Et qui sont ces vieillards? Parce que le mot vieillard, dans nos traductions, en français, dans nos traductions de Bible, c'est le mot vieillard qui est employé, mais dans le grec, c'est le mot ancien. Ce n'est pas ancien dans l'âge, mais ancien, parce que le mot ancien, que ce soit dans le Nouveau Testament ou en Apocalypse, le mot ancien est représentatif de l'Église. Donc le mot ancien ici n'a rien à voir avec les cheveux blancs, n'a rien à voir avec l'âge, mais le mot ancien ici, eh bien, nous rappelle dans le texte original que c'est le mot ancien par rapport à ce que ce mot est représentatif de l'Église par l'expression du mot presbyteros. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que l'Église, au chapitre 4, elle est intronisée dans la gloire pour échapper justement
à tout ce qui va se passer, les choses qui vont bouleverser le monde, la colère de l'agneau. Et l'apôtre saint Paul déclare que nous, les enfants de Dieu, les chrétiens, le corps du Christ, nous ne sommes pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut en Jésus-Christ. C'est sur ces versets-là qu'est basée notre foi et notre espérance. Nous ne sommes pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut. Que Dieu en soit béni. Et l'Église sera délivrée, justement, de cette colère, grâce à son enlèvement. Au chapitre 5, il est dit « Personne dans le ciel n'était digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Personne n'était digne. » La Bible déclare que l'un des vieillards prit la parole. Et nous sommes là devant les anciens. Nous sommes là devant un ancien qui prend la parole. Et un ancien prend la parole et dit « Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda qui a vaincu. Et lui seul est digne de rompre les sceaux et d'ouvrir le livre. » Qui connaît mieux que l'Église le lion de la tribu de Juda? Israël attend justement le lion. Elle n'a pas reconnu Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais nous, nous l'avons reconnu. Comme l'apôtre Pierre qui a déclaré à Césarée de Philippe, lorsque Jésus a dit « Je bâtirai mon Église », eh bien l'apôtre Saint-Pierre a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et nous l'avons confessé, comme les judéo-chrétiens, parce que nous sommes la continuité du ministère de Jésus et des apôtres. Et l'un des vieillards, je rappelle, déclare « Ne crains point, voici le lion de la tribu de Juda ». Oui, Israël ne peut pas le dire parce qu'elle est encore, eh bien, elle n'est pas entrée encore dans le royaume messianique, mais nous, nous pouvons le confesser, l'Église. Nous savons qui est le lion de la tribu de Juda, c'est Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Celui qui a vaincu et qui a terrassé le lion rugissant et qui a payé au travers de son sang à la croix, eh bien, nos péchés, il les a purifiés, il les a pardonnés. Que son nom soit béni. Laissez-moi continuer, s'il vous plaît. Voilà, je regardais quand l'agneau ouvrit un des sept sceaux, Apocalypse chapitre 6. Il est dit ceci, quand il ouvrit un des sept sceaux, le premier sceau, c'est l'agneau qui va l'ouvrir. Alors certains commentateurs de la Bible, certains pasteurs évangéliques disent que ce n'est pas Jésus qui ouvre le sceau, mais que c'est le cheval blanc qui concerne Jésus. Le cheval blanc n'est pas Jésus. Le cheval blanc, ici, en Apocalypse, chapitre 6, c'est l'Antichrist. Il va imiter le cheval blanc d'Apocalypse, chapitre 19, verset 11. Parce que la Bible déclare, eh bien, « Quand je regardais, voici parut un cheval blanc. » Et lorsque la Bible déclare que lorsque le cheval blanc paraît, une arche lui fut donnée. Et là, nous sommes devant l'Antichrist qui va imiter le cheval blanc d'Apocalypse 19. L'arc dans la Bible est le symbole des ennemis d'Israël, où le Seigneur déclare par le prophète « J'abattrai l'arc de mes ennemis ». Et l'Antichrist part sur un cheval blanc, un arc lui fut donné, et il partit pour vaincre. Donc ça veut dire qu'il n'a pas vaincu, et que ce n'est pas le Christ, parce que Jésus est le vainqueur des vainqueurs, il est le vainqueur des nations. La Bible déclare qu'il a vaincu Satan. Il a vaincu le péché, les démons. Il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Que son nom soit béni. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il ne part pas pour vaincre. Il a déjà vaincu. Que son nom soit béni. Et nous sommes son ouvrage. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Que son nom soit béni. Je voudrais, avant de conclure, revenir sur les 24 vieillards ou les 24 anciens d'Apocalypse, chapitre 4, verset 4, où il est dit « J'ai vu 24 trônes et sur ces trônes, 24 anciens. » Qui sont ces anciens qui sont sur le trône en Apocalypse 4? Eh bien, ce ne sont pas des anges. C'est bien réellement l'Église. Parce que je vous ai dit que
le mot ancien est représentatif de l'Église. Et ces anciens ont une particularité. Et c'est quoi la particularité de ces anciens? Prioritairement, ils sont assis sur des trônes. Qu'est-ce que Jésus a dit en Apocalypse chapitre 3 verset 21? Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu et que je me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc, l'accès au trône ou assis sur des trônes est donné aux vainqueurs. Et Jésus le précise, je le rappelle, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, que Dieu soit béni. Pourquoi il est question d'un trône ou des trônes? Eh bien, les 24 anciens qui sont assis sur les trônes nous rappellent le jugement, puisque l'apôtre saint Paul, en 1 Corinthiens, chapitre 6, vous le lirez, verset 19, eh bien, il est dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Eh bien, oui, c'est l'enseignement de l'apôtre saint Paul. Et c'est pour cela que l'Église, elle est assise, ou les anciens sont assis sur les trônes. Voilà la première vérité où les anciens sont assis sur des trônes, et cela est en rapport avec le jugement. Jésus l'a déclaré aussi aux apôtres, parce que les apôtres faisaient partie aussi de l'Église. Ils ont été témoins de l'Église naissante à la Pentecôte au printemps de l'an 33. Et je voudrais vous dire ceci, que ce que Jésus déclare aux apôtres, vous serez assis avec moi sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Mais ça se fera dans le règne millénaire, ou les 1000 ans de paix sur la terre. Parce que la Bible parle à 6 reprises du millénium, donc cela n'est pas quelque chose de symbolique, mais quelque chose de prophétique, littéral, que Dieu soit béni. Donc les 24 anciens sont assis sur des trônes. Deuxièmement, qu'est-ce qu'ils ont? Eh bien, ils ont des couronnes. Et la Bible parle des couronnes comme étant l'attribution des récompenses aux fidèles. Et l'apôtre saint Paul parle de 4 couronnes. Nous n'avons pas le temps de parler de ces couronnes-là, mais Paul déclare, j'en cite une, « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. Que son nom soit béni. » Il y a donc des couronnes, et les couronnes sont représentatives des récompenses. Et les 24 anciens vont avoir ces couronnes. Ça, c'est indéniable, ça prouve que les couronnes sont attribuées justement à l'Église. Ils sont assis sur des trônes, personne dans le ciel aura ce privilège. Ni les anges, ni les chérubins, ni les séraphins. Seule l'Église aura ce grand privilège d'être assis sur des trônes, parce qu'elle prendra part au jugement avec son époux. Que Dieu soit béni. Troisièmement, eh bien, les 24 anciens sont revêtus de vêtements blancs. Et ces vêtements blancs, c'est quoi? Le fin lin blanc sont les œuvres justes des saints. Et quand on parle du vêtement blanc, c'est la rédemption par le sang. Et en Apocalypse, chapitre 5, il est dit que les vieillards étaient sur des trônes. Et la Bible déclare qu'ils chantaient un cantique nouveau. C'est ce que l'apôtre Jean rappelle en Apocalypse. Ils chantent un cantique nouveau, ils sont assis sur les trônes. Et je voudrais vous dire qu'ils sont revêtus de vêtements blancs. Et ce chant qui va être entonné par les 24 anciens dit « Tu nous as rachetés ». Notre version déclare « Tu as racheté pour Dieu des hommes de toute langue, de tout peuple, de toute race, et tu en as fait d'eux un royaume de sacrificateurs ». Mais dans les textes originaux, eh bien il est dit « Tu nous as rachetés ». Il est bien question ici de l'Église qui a été rachetée par le sang de la rédemption. Oui, où Jésus-Christ a accompli l'expiation. Que Dieu soit béni à la croix du calvaire. Tu nous as rachetés et tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs. Eh bien, les anges ne peuvent pas être rachetés, puisque les anges qui servent Dieu autour du trône, les anges sont des serviteurs qui, justement,
accomplisse un ministère, dit l'Écriture, en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Eh bien, je voudrais vous rappeler que ces anciens sont non seulement assis, qui concernent l'Église, sur des trônes, ils ont des couronnes, symbole de récompense des fidèles. Trois, ils ont un vêtement blanc, symbole de la rédemption. Que Dieu soit béni. Donc, je voudrais vous dire juste ceci, une petite note. Les anciens sont assis sur les trônes. Et ça, c'est indéniable. C'est la parole de Dieu qui nous rappelle tout ceci. Les 24 anciens sont assis sur des trônes. Que Dieu soit béni. Et je voudrais vous rappeler le chapitre 7 d'Apocalypse et le verset 9. Je vais le lire avec vous. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation et de toute tribu et de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes à leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau, que son nom soit béni. » Le verset 9 précise, « Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu et de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtus de robes blanches et des palmes à leurs mains. » Je voudrais vous dire, à la différence de ceux qui passent la grande tribulation, ils ne sont pas assis sur des trônes comme les anciens ou les vieillards, mais ils sont debout devant le trône et ils ont des palmes à leurs mains. Regardez la différence, et l'Apocalypse le prouve, ils sont debout devant le trône et des palmes à leurs mains. La palme ou les palmes, c'est le symbole d'Israël. Ça n'a rien à voir avec l'Église qui, au chapitre 4, est intronisée, assise sur les trônes, alors que ceux qui viennent de la grande tribulation sont debout devant le trône. Ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau, et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et des quatre êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu, que Dieu soit béni. Je voudrais rappeler ceci parce qu'il faut faire la différence. Dans la Bible et dans l'Apocalypse, tout n'est pas mélangé. Chaque chose est à sa place. Que son nom soit béni à Dieu. Je vous dis cela, c'est pour que vous vous affermissiez dans votre foi et que vous ne pensiez pas ou écoutez n'importe qui pour que vous soyez déstabilisés dans la foi. Mais notre foi à nous, sa référence est l'Écriture. Alors il y a des dizaines de textes comme ça, le temps nous manque de parler de toutes ces choses concernant les choses qui concernent la fin du monde, les choses eschatologiques. Nous n'avons pas le temps de parler de tout cela, mais je voudrais conclure avec cela maintenant. Je voudrais conclure en vous disant Apocalypse 3.10. Qu'est-ce que dit Apocalypse 3.10? Il parle à l'église de Philadelphie. L'église de Philadelphie, c'est l'église de l'évangélisation. Je voudrais vous rappeler ceci, ce que le Seigneur déclare par l'apôtre Jean à l'église de Philadelphie. « Puisque tu as gardé en moi les paroles de la persévérance, moi aussi je te garderai à l'heure de la tentation. » Alors il est question ici de la tentation. Qu'est-ce que cela veut dire ? « Je te garderai de la tentation. » Parce que tu as gardé en moi les paroles de la persévérance, moi aussi je te garderai à l'heure de la tentation. Dans la Bible, le mot tentation fait référence à ce que Jésus déclare dans Matthieu 24, verset 20, la grande détresse. Ce sont des appellations différentes, mais qui veulent dire la même chose. La grande tentation, la grande détresse dont parle Jésus dans Matthieu 24, Jésus déclare, ce sera une détresse que le monde n'aura jamais connue. Et nous sommes là devant la grande tribulation. Et si on remonte Jérémie 30, verset 7, il est dit l'angoisse de Jacob. Donc il est question de l'angoisse de Jacob. Et l'angoisse de Jacob, c'est la grande tribulation. Parce que la grande tribulation, elle est liée justement à Israël.
Parce que Jacob signifie Israël. Son nom fut changé en celui d'Israël. Donc je voudrais rappeler que dans Jérémie 30, verset 7, il est question de l'angoisse de Jacob. Dans Daniel, donc c'est Israël qui est mis en cause. Dans Daniel chapitre 9, verset 24, 70 semaines ont été marquées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Le peuple Israël, le peuple juif, et ta ville sainte, Jérusalem. C'est encore les juifs qui sont mentionnés. Donc ça, c'est indéniable. Matthieu 24, Jésus va indexer la grande détresse sur les juifs. Le Seigneur Jésus va déclarer, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Le sabbat ne concerne pas l'enseignement de l'Église. Parce que l'Église n'est pas un vin nouveau dans de vieilles outres, c'est un vin nouveau dans des outres neuves. Et le message concernant la loi, eh bien, n'est pas attribué à l'Église, parce que le sabbat est un message pour Israël. Le sabbat tombe le septième jour, c'est-à-dire un samedi, alors que les deux ordonnances de l'Église, c'est le baptême et la Sainte Cène. Ça n'a rien à voir avec le sabbat. Le sabbat, c'est une ordonnance que les Juifs pratiquent encore aujourd'hui parce qu'ils se soumettent à la loi de Dieu donnée par le biais de Moïse. Donc quand Jésus parle de la grande tribulation ou de la grande détresse, il ne l'indexe pas sur l'Église parce que quand Jésus a dit « Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver » parce que vous fuirez dans les montagnes et qu'il n'arrive pas ce jour-là un jour de sabbat. Savez-vous pourquoi? Parce que le jour du sabbat, ils ne pourront pas fuir dans les montagnes, les Juifs, dans la grande détresse ou dans la grande tribulation. Ils ne pourront pas faire plus d'un kilomètre le jour du sabbat. C'est le chemin d'un sabbat. Et un Israélite n'avait pas le droit, même aujourd'hui, de faire fuir dans les montagnes. Mais un Juif pieux, le jour de la grande tribulation, ne pourra pas fuir, il ne peut pas faire plus d'un kilomètre. Et pour honorer, pour respecter la loi du sabbat, que Dieu donna par le biais de Moïse à tout Israël, eh bien, il se laissera mourir dans la grande tribulation. Je ne sais pas si vous me suivez ou si vous comprenez, mais ça, c'est indéniable. Le sabbat n'a rien à voir avec l'Église, parce que lorsque Jésus a dit ces paroles-là, l'Église n'existait pas. L'Église n'existait pas, elle a fait son apparition à la Pentecôte au printemps de l'an 33, parce que quand Jésus a dit le sabbat est en rapport avec Israël, dans la grande détresse, l'Église n'existait pas. Donc, il ne pouvait pas faire référence à l'Église, parce que l'Église est née 50 jours après la résurrection du Christ à la Pentecôte, au temple, justement, du portique du temple de Salomon. Que Dieu soit béni. Donc, il y aurait plein de choses à dire, mais je voudrais terminer maintenant. En vous disant ceci, pour affermir votre choix et ne pas croire n'importe qui, n'importe quoi, lorsque le Seigneur déclare « Je te garderai à l'heure de la tentation ». Ce n'est pas une protection dans l'heure. Dieu ne va pas garder l'Église dans la grande tribulation, il va la garder en dehors, par l'expression originale, par l'inspiration du texte. Il est question d'être ravi à l'extérieur. Dans l'expression grecque, c'est le « ek » qui a donné le mot en français, le mot « église ». Et le mot « église » ou le mot « ecclésia », qui vient du mot grec, signifie « appeler à l'extérieur ». Parce que l'église ne fait pas partie du monde. Elle est dans le monde, mais elle n'en fait pas partie. Et je voudrais vous citer le texte de l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 15. Lorsque Jésus déclare « Je ne te prie pas, Père, de les ôter du monde, mais de les préserver, parce que nous sommes dans le monde. » Donc, dans l'expression grecque, c'est le mot « kyrizo », c'est une protection dans le monde. Et ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ et fidèlement dans l'obéissance de la véritable foi, eh bien, ils ont la protection de Dieu. Ils ont la protection de Jésus-Christ. « Père, je ne te prie pas de les ôter, mais de les préserver. » Il y a donc une préservation, il y a donc justement une protection sur l'Église de la part du Seigneur Jésus. Le mot est là, « kyrizo », signifie « protéger ». Apocalypse, chapitre 3, verset 10, « Je te garderai ». Et quand il est dit « Je te garderai » de cette heure, c'est le mot « ek ». Et le mot « ek » veut dire « être ravi à l'extérieur de cette période-là ». Ce n'est pas que l'Église, eh bien, va
demeurer dans la grande tribulation, mais elle sera enlevée et ravie à l'extérieur de cette heure-là. C'est ce que précise, il est question d'une heure, il est question d'un temps. Eh bien, ce temps-là, de la grande tribulation, l'Église ne la connaîtra pas parce qu'elle sera ravie à l'extérieur de cette heure-là. C'est un ravissement à l'extérieur. Je ne sais pas si vous me suivez, mais je voudrais appuyer un peu plus ce mot-là par le mot arpazo d'un texte grec. Le mot arpazo, c'est être arraché de force. C'est être arraché à un moment qui va se passer. Donc l'Église sera protégée. Non pas, elle ne sera pas protégée dedans ou de l'heure de la grande tentation, mais elle sera protégée en dehors par l'expression « ek », c'est-à-dire être ravi à l'extérieur. Et par rapport au mot « arpazo », eh bien, il est pris dans une racine. T'es coupé, Aziz. Non. Dans les langues de l'Église, eh bien, le mot arpax a donné en français le mot rapace. Et c'est dans la pensée grecque, c'est comme une fiancée qui va être ravie à l'extérieur, qui va échapper justement à quelque chose. Et je vous rappelle que le mot arpax a donné en français le mot rapace. Et que quand Jésus vient, il viendra comme un rapace prendre ce qui lui appartient. Il viendra prendre l'Église, comme un rapace qui vient prendre sa proie. La raison pourquoi ? Pour ne pas qu'elle soit, eh bien, le sujet d'un autre rapace qui sera l'Antichrist. Et ça, c'est une clé. C'est une clé qui nous prouve que l'Église, eh bien, ne sera pas gardée dans l'heure, mais qu'elle sera gardée en dehors de cette heure par l'expression du mot arpax, qui nous donne cette déduction que l'Église sera enlevée à l'extérieur de ce moment-là et que l'Église ne connaîtra pas justement cette heure-là de la grande tentation. Que Dieu soit béni. Je voudrais que vous compreniez ceci, mes frères et sœurs, c'est que notre message, ce n'est pas un message qui nous a été donné comme ça par des idées des hommes, mais c'est un message contenu en l'Écriture sainte, sur laquelle est basé notre foi. Et je termine en disant ceci. Je ferme la Bible. Je voudrais vous dire sur la continuité de ce mot, du mot Apocalypse, chapitre 3, verset 10, concernant l'église de Philadelphie. Ce jour-là, dit l'apôtre Jean, par inspiration, va venir sur les habitants de la terre. Le mot habitant de la terre a son mot ordinaire, c'est le mot oikeo en grec. Mais le mot, il y a un autre mot dans la Bible concernant l'Apocalypse, chapitre 3, verset 10, il est dit que ce jour-là viendra sur les habitants de la terre. Et ce mot-là, c'est le mot kataikeo en grec, qui signifie que ce jour-là, l'heure de la tentation va venir sur ceux qui se sont identifiés au monde et qui ont participé à sa débauche. L'Église en est exclue, parce que l'Église ne fait plus partie du monde et elle ne participe pas à la débauche justement de ce monde, parce que elle vit dans la sainteté. Elle se perfectionne par rapport à la sanctification. Que celui qui est saint, dit Jean en Apocalypse, se sanctifie. Que celui qui est saint se sanctifie, que Dieu soit béni. Eh bien, nous voulons rester dans cette perspective, que celui qui est saint se sanctifie. Eh bien, je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, nous sommes, nous, l'Église du Seigneur, et je pense que vous avez compris, en ces quelques mots, ce que je voulais vous dire. Nous ne pouvons pas parler de toute l'eschatologie en une demi-heure, trois quarts d'heure de prédication, mais je pense que vous avez compris que l'Église n'est pas destinée à la colère,
puisque ce jour-là viendra sur ceux qui vivent dans les ténèbres, dit Paul. Vous n'êtes pas des ténèbres pour que ce jour vous surprenne. Non, parce que nous savons que l'Église, elle est celle qui veille. Elle veille, et l'Église qui veille, eh bien, connaîtra l'enlèvement, que bientôt nous allons participer à cet enlèvement, et que cet enlèvement est proche. Il est tout proche, plus vite que nous le pensons. C'est pour cela qu'il ne faut pas nous inquiéter des choses de la vie, mais que nous puissions mettre en avant notre foi et vivre notre foi dans l'obéissance, puisque la foi a pour résultat l'obéissance à la parole. Que Dieu soit béni. Je pense que vous avez compris. Que Dieu vous bénisse à tous, et peut-être une autre fois, nous continuerons dans la même lancée, peut-être lorsque nous nous verrons, lorsque dans une convention ou une retraite, nous aurons le privilège de parler de ces choses-là beaucoup, peut-être beaucoup plus longuement, avec beaucoup plus de détails. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci David. Hein. Que Dieu soit béni pour la bonne parole de Dieu.